faire le jeu. Non, mais tu peux modder un jeu. D'ailleurs, il faut savoir que Troy, apparemment, de ce qu'ils en disent, ils vont vraiment faire en sorte qu'il soit modable à fond, quoi. Donc, tu peux y aller tranquillou pipou là-dessus. Hein. Genre ils vont autoriser les modèles custom, bah un petit peu comme ils l'autorisaient déjà pour les autres Total War. C'est simple, hein. Aussi, Warhammer 2 permet pas des modèles de ouf. Et je te laisse regarder, hein, ils ont fait un blog de toute façon dessus. Donc le mieux à faire c'est que tu ailles regarder le blog. Vos unités dissimulées. Escarmoucheur géant, ça fait tellement mal. Sont là. Yes, comme d'hab quoi. Ah ça c'est chiant ça par contre, ça c'est beaucoup plus chiant. Est à portée de main. Hop. Les escarmoucheurs légers qui bien sûr me résistent comme si c'était des guerriers de renom, quoi. Votre héros se fait attaquer. Ok, on se replie. Ah, le shaky cam, par contre, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'il supprime.
à l'avenir, parce que c'est l'un des trucs que je ne supporte pas, le shaky cam. Mon héros s'en sort comment là contre Hector? Ça va. Vos guerriers se découragent. Vos guerriers se rallient. Ah putain, il a déclenché son Aristie, genre vraiment. À l'aide. Hector sous Aristie sur un lambda. Au secours. Finit quand elle veut, hein, son Aristie. Merci beaucoup à Erent pour le follow. Salut brave type, comment ça va? Oh, Hector qui va du coup se faire... Oula! Oula, nice ça. Qu'est-ce que tu regrettes? C'est à ce moment-là que tu regrettes vraiment, encore une fois. Hein. Three Kingdoms et ses duels. C'est quand même autre chose que le système de je te tape, tu me tapes. Youpi, jouons à Warhammer. C'est là où t'as pas hâte de voir les animes du buveur de sang. Qui tape dans le vide pour tenter d'éclater la Reine des Neiges. Ah, il y a Paris qui m'arrive de l'autre côté, tiens. Je l'avais pas vu venir tout de suite, lui, le petit. Coquinou, il arrive dans mon dos. Un accord d'échange pour de l'or, c'est non. Ah, les pélages. Forcément. Heureusement que je suis en train de faire revenir mes deux armées principales. Hein. Ah bah oui. Ça va, ça, on l'a déjà fait. On peut y arriver, on l'a déjà fait. Ah là 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 là. Quand c'est pas au nord-ouest, c'est au sud-ouest. Quand c'est pas au sud-ouest, c'est au nord-est. Et quand c'est pas au nord-est, c'est au sud-est. C'est quand même... Alors, c'est soit on l'affronte directement, mais...
Ça me paraît beauf comme idée. Donc on va tenir la cité. En fait, là, quand il sera rentré par ici, il peut se déverser effectivement de ce côté, hein, on est bien d'accord. Après, on peut le tenir ici, sachant qu'il a des alliés qui arrivent là. Là, ça me paraît tricky de se dire qu'on peut le tenir ici. Faudra voir. Faudra voir, je suis pas convaincu. L'ennemi reçoit des renforts. Le dada est quand même plutôt petit. C'est un poulain, ça, hein, rassurez-moi. Ça a l'air, hein, parce que... Ça a l'air d'être un poulain. Comparé à la taille des humains, ouais, non. Il y a toujours eu un problème de toute façon. Regarde, c'est pareil, hein, si tu regardes ici. Ah non, ça va. Le rapport de taille là est ok. J'ai rien dit. Puis c'est pareil, on commence à avoir quand même des villes un peu vivantes avec pas mal de. Avec le bétail, etc. Donc c'était l'un des apports vraiment de Troy pour le coup. Je suppose qu'il envoie ça en éclaireur. Éviter de se faire fatiguer inutilement. Au tir. On va envoyer le héros un petit peu s'énerver. Votre héros se fait attaquer.
Ok. Prochaine cible. On encoche et on tire. Genre, il voit ma troupe, là? Comment il la voit? Ouais, d'accord, ok. Et c'est là où on va avoir du mal à jouer à chat. Ok, c'est bon, il me voit pas. Essayer de remonter par là. Un peu compliqué pour le moment, hein. Les javeliniers, leur vie contre les archers de renom. Change de cible. On essaye de finir ça. On essaye de faire évacuer des troupes. Ok, par là c'est bon. Alors attention, il y a des troupes qui se sont formées. Ah merde, sérieux? Ah, c'est pas le bon plan. Hungry for glory! Don't hold back!
Parfait. Quoi? Ah non. Non, non. Ça non plus. Ça, c'est pas... C'est pas ça qu'on veut. Par contre, on est vraiment en train de galérer contre des archers au corps à corps là. Une de vos unités n'a plus de munitions. Bien. Il est pas bon. S'il s'en sort, tant mieux, mais le héros là, c'est pas garanti. On va tenter d'organiser la fuite des troupes ennemies là, parce que... Le héros ennemi a été blessé. Yes. En vrai, on va envoyer ça par là. Et puis là, on va pas attendre, on va commencer à faire feu. Pour régler un peu le moral ennemi. Allez. C'est quoi ça? Pourquoi il y a ça ici? Ok. Les lanciers ici. Ah, je peux pas en prendre le contrôle, évidemment, sinon ce serait trop drôle. Voir des Phaistos nous auront permis de bien tenir, hein, quand même. Alors, vous, vous allez échanger et devenir beaucoup plus agressif sur lui. Parfait, là-bas ça a abandonné. Alors, est-ce que je peux avoir un angle de tir suffisant? Oui, je vais l'avoir. Allez, en cloche, là. Tirez en cloche, non? Vous voulez pas? C'est très bien de tirer en cloche, pourtant. Allez, j'ai lâché ma meilleure Aristi, là. Il faut que tu le fasses, petit. Go under! Moving up now!
Parfait, ça craque. Ça craque. Ils ont tous craqué. Excellent. Ouais, c'était pas simple, hein. La victoire est à portée de main. Là, on essaye de les massacrer au maximum parce que au moins il y en a, au mieux c'est. Plume. Ça, c'est vraiment mon gros regret. Hein. Medieval 2, c'était tu tapais dans le dos du gars, il mourait quoi. Maintenant, c'est tu dois taper 4000 fois sur un type pour qu'il tombe. Encore les héros, je veux bien comprendre, hein, mais... Oh, toi, mon choupiné, t'as intérêt à courir très vite, hein. Ce qui m'étonne, c'est que le gars avait rien en Aristie. C'est assez étonnant parce que il s'est quand même battu dans la masse depuis tout à l'heure. Donc, étonnant, étonnant ma foi. Ah oui, d'accord, il lui reste vraiment que son héros, par contre, on lui a éradiqué... Ah, d'accord. Il y en a ici qui vient de mettre fin au pacte de au pacte d'accès militaire avec nous. 1025 de bronze, j'en gagne pas tant que ça, hein, moi... Mais vas-y. Parce que du coup, la Narissi qui nous punit, là, d'un coup d'un seul, merci bien, quoi. Pas gonflé. Si c'est pour nous dire que tu vas nous attaquer, toi, tu peux le dire tout de suite. Hein. T'en voudras pas de nous dire la vérité franchement dès le départ. Du coup, Achille, il va faire un petit détour. Great deed await. Hold nothing back. Make them our slaves. Et bim. Ah, il a même pas eu à vaincre Hector. Ok. D'accord, lui il est en train de tranquillement piller les terres de mon voisin. Mon voisin qui est actuellement en mode gros, je ne sais pas ce que t'es en train de tenter de faire, mais tu m'emmerdes. Mon voisin qui a un peu les boules à mon avis en ce moment. Ah mais c'est plus 10 sur les provinces adjacentes. Ah d'accord. Ah mais ça aurait été tellement bien de voir ça de voir ça tout à l'heure. J'aurais dû regarder ma chaîne de bâtiments. Du coup, j'arrive. Hein. Bougez pas, je viens. De toute façon, ils ont plus d'armée, donc bon, j'ai envie de te dire, bougez pas, je viens.
Ça, ils le savent. D'ailleurs, en parlant de ça... Poup, poulou, poup. Larissa, depuis le temps que je la regarde, depuis le temps que je la vois, depuis le temps que je me dis que cette nation nous backstab... C'est la deuxième fois qu'ils nous backstab, mais encore une fois, eux, c'est normal. C'est des pélages. Ouais, non, accorde une régénération passive au point de vie du héros, ça c'est quand même goldé. Hein. Tragique prophétie sur lui, là. De toute façon, je peux pas faire de rituel d'exaltation. Larissa, c'est la sauce. On va saucer Larissa. Mais quel enfer. I can be of great use. What do you wish done? I speak truths. Ouais, ça va, on arrive à le gérer, Achille, pour le coup. Voilà ce dont t'es capable, mon imagination, c'est désespérant. J'avoue, tu me désespères. De toute façon, littéralement, je suis sûr que le Nord va pas arrêter de nous déclarer la guerre à chaque fois, là. Les curettes, ils violeront les traités qu'on aura avec eux constamment. Toi, je te propose vraiment de faire un traité de paix avec moi. Oui. Parce que flemme. Je pense que certaines armées vont pas tarder à cross. Et à aller mettre à mal la côte troyenne. Et ça je peux, c'est juste que je manque d'or, quoi. C'est terrible. Il faut vraiment que j'économise mon or. Agresseur Graia sur Sparte, rejoindre la guerre de cet allié, mais quel enfer! ...3086 de bois contre 2030 de bronze, je prends large. Normal, tu es né à toutes les terres de Paris. Oui, il a réussi à les fusionner, visiblement. Les curettes demandent un pacte de non-agression. Ce qu'on va accepter, hein. Vu qu'il nous file de l'or pour ça. Guerre avec les factions voisines. Ah bah oui. Bien sûr, j'avais oublié. Make me proud. On va attendre un peu. Your path to victory.
the true way. A master of people just like to be kept informed. My reputation endures. Oui, alors attention, pas le mettre dans une ville. Et Tom Tom. J'allais faire une blague de merde sur Paris. Oui non, faut arrêter là, ça suffit. Je propose qu'on arrête toutes ces blagues un peu vaseuses sur les noms. Du coup, Paris, il est reparti. Ah oui. Eh ben monsieur, bonjour. Head moving. Strike them down. Fall upon them. Désolé. As-tu essayé l'hydre et ses adeptes? Bah écoute, oui, on a déjà essayé l'hydre en tout cas. Les adeptes, pour le moment, ça wait un peu. Ça tardera pas à être recrutable. Ultimate Warrior. Oui, d'accord, je manque vraiment de bouffe par contre. Ça, c'est une certitude. La nourriture en ce moment, c'est. C'est pas la folie. Hein. Vas-y, viens, on défonce ça, Calydon. Ah, quoique. Hein. Ah, bah voilà. Déjà qu'il pourrait un peu régler le problème. Solving complex problems. What the leader believe, the people believe. L'hydre et ses adeptes, il y a eu un new patch longtemps que j'ai pas joué. Alors c'est pas un patch en fait, c'est effectivement un DLC qui est le DLC Mythos. Et en fait, il est arrivé avec la sortie sur Steam du jeu et qui permet donc de choisir trois monstres mythiques. Donc tu as l'hydre, tu as également Cerbère et tu as également le griffon. Il y a des quêtes à faire pour réussir à obtenir le soutien d'une de ces puissances. Ça t'apporte aussi des bâtiments, des mécaniques de jeu et autres. Là, l'hydre, le problème, c'est que j'ai pas encore unlock toute sa vita. Et le souci, c'est que j'ai dû la faire monter directement là-haut, la petite hydre. Il veut quoi lui, du bronze contre de la pierre? Ouais, allez, je prends. Si ça peut éviter qu'on s'entretue. Allez, Pélage me propose un bon traité, mais en vrai, ce sera non. Si jamais tu veux le prendre sur Steam, Belga, on a bien évidemment les bons conseils. Si jamais tu prends le DLC sur Epic, ben. Là, j'ai pas de bons conseils en soi, puisque moi, mon partenaire fait des clés Steam, mais pas des clés Epic. Qu'est-ce que c'est?
Si tu prends le DLC sur Epic, et ben t'es plus notre. T'es plus un viewer. Voilà. En fait. Mais qu'on peut plus. Achille, c'est un petit talon, c'est tout. Hector, voilà un vrai zéro. Sinon, salut, suicide. Bonjour Moradim, merci. Merci de ces blagues. Incroyable. Je commence à me dire que finalement mon humour à moi en tant que streamer ça va. Ou alors j'ai un sale impact sur mes viewers, mais bon. Mais c'est gentil, hein, quelque part. Moi du coup je me dis. Mon humour ça va en vrai. Ça va. Colonie alliée capturée, la colonie de Etis. Ah bon? C'est où ça? Oh là c'est Démon. Oh shit! Il est vraiment en train de se faire remonter par Apteron lui? J'étais derrière mais non. Mais le Ménélas du cul quoi. Well versed in combat. Leave none alive. Le vol. Oh le vol! C'est un vol, mesdames et messieurs. C'est un vol pur et simple, mais un vol incroyable. Il a détruit la ville. C'est la troisième fois, je crois, que je lui vole un truc sous son nez. Terrible de voler les gens comme ça. I interpret the will of the gods. Bon, je tiens à dire, le cyclope en mythos, c'est une pure brute. Ah bah ça. C'était sûr en fait. C'était sûr. J'attends un petit peu parce que j'ai envie d'assiéger la ville avec des tours de siège cheval. Ah, Philoctète qui va nous trahir. Philoctète qui va nous attaquer sous peu. Ajax le Petit qui me propose de la bouffe. Pour le moment, je dois éponger un certain truc sur la bouffe, donc on va dire oui. Athènes est toujours en vie, incroyable. Agresseur Curette, défenseur Sparte, rejoint la guerre contre cet allié. Youpi. Donc j'ai zéro le temps en fait. Don't hold back. Send them packing. I can hardly wait. C'est comme d'habitude, quoi. J'ai pas le temps. Ah bah ça va, j'ai Achille qui traîne. Putain, ça va. Trop cool. Non mais toi on t'a vraiment. Ouais, tu penses qu'on t'a vraiment pas vu venir pour tenter de m'en papaouter toi. C'est terrible hein. Les gens ici ils ont vraiment aucun respect. Hein. Athènes qui... Ah ça c'est vraiment très drôle pour le coup. Athènes réfugié à Salamine. Ouais, bon bah c'est bien hein, comme quoi. Salut Requiem for the Week. Bienvenue à toi. Athènes ça change pas, hein, sa vie. C'est... Alors, voyons voir. Ah oui, ils ont pris Charistos carrément. Faut pas les laisser faire ça, par contre, les frères. Très mauvaise idée, ça.
Je vais devoir intervenir. Parce que là, c'est un début d'invasion, ça. With Athena's blessing. Kill the lord. Ça, ça va finir par arriver, ça. All out attack. C'est dommage, je voulais mes équipements de siège, là, je voulais mes tours de siège. Bring the pain. Ça, ça aurait été bien pratique depuis le temps. Ok. Petite hécatombe tranquille d'Héphaïstos. Du coup, il faudra 22 d'or au prochain tour et on sera bon. Parlant de ça, du coup, Héphaïstos, une prière. Ok, pourquoi pas. Pas mal la prière à Héphaïstos niveau 3. Oui, et puis le niveau 3 des Faistos, ils vont son pesant de cacahuètes aussi. Hein. Ça va être pas mal. Il y a plein. Là, le plus dur, en fait, c'est qu'il y a plein de petits conflits à la con qui pop dans mon dos, ou de ci, de là. Ce qui fait que ça va être encore une session optimisation du voisinage, quoi. Don't hold back. Tant pis, on va pas attendre les chevaux. Je retourne sur mon Sarpedon et son seul et unique œil d'amour, le Cyclope. Ah, Sarpedon, qui commence dans une zone désertique, donc les chars, ça peut fonctionner. Et dès qu'il rentre dans des buissons, c'est terminé, quoi. Oh, mais cette armure là-bas. Foutu cité pélage. Foutu pélage tout court d'ailleurs. Wout. Ah mais genre tu peux pas en descendre de ce mur. Y a pas de porte si je monte dessus le mur là. Ouais mais en même temps je peux pas me déployer par là. Donc en fait, il y a deux zones de déploiement, trois zones de déploiement, ok. Ah oui, du coup.
Dieu nous bénisse. Les renforts sont là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça, c'est le groupe 1, là-bas. Là-bas, c'est le groupe 2. La victoire est à portée de main. Parfait. On va marcher pour éviter de se fatiguer. Je me demande si elle grossit en fait. Putain, mais cette tête centrale qui est horrible. C'est quoi les unités toutes blanches? C'est des Spartes. C'est des Stormtroopers. C'est des Spartroopers. Mais vous êtes vachement nombreux en fait dans votre citadelle. Oui, c'est une unité spéciale et mythologique, les Spartes. Ah, ce serpent de Jabba le Hutt, quoi. Bien, nous allons lancer un premier assaut pour réattirer tout le monde de l'autre côté. Peut-être déjà commencer par une petite bombe empoisonnée tranquille ou pipou, hein.
Ah oui, d'accord, donc on se fait tirer dessus vraiment là. Ok. Nous a menti sur la portée. Vos guerriers se découragent. Oh, le beau tir de mortier, quoi. L'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Vos échelles sont sur leur mur. Ok, nickel. Vous êtes sur le point de capturer les portes. Génial, ça. Vos guerriers attaquent les portes. Les portes ennemies ont été détruites. Parfait. Vous avez capturé les portes. Ok, les portes ont été capturées ici. C'est bien. Faisons entrer nos amis. Thank you.
L'ennemi attaque les portes. Vous avez perdu votre équipement de siège. Du coup, où est-ce que je vais avec ça? On peut passer la porte, non? Allô? Faut entrer. Voilà. J'avais pas vu ça ici. Ah mais c'est quand même jamais bien ouf ces histoires là. Vous avez capturé la tour ennemie. Ils veulent pas se barrer, eux, les épéistes de renom. T'es fou, là, encore. Vos guerriers se rallient. À chaque fois, c'est des unités de fous furieux en face. Corps. L'ennemi tente de capturer les portes. Hop là. Par là je peux pas bouger, par là je peux pas bouger. Au secours. Patrocle, le fait. Depuis tout à l'heure, je le cherche, là. Mais... Non ! Ah là là, ils sont atroces. Ah ! Mais le pathfinding, bordel ! Mais non ! Mais pas comme ça ! Oh !
Au secours. Allez, voilà. Et la charge dans le dos qui a été juste nulle, charge nulle. La charge fut nulle sur 20. Ce tank que c'est l'hydre, bah ça dépend, hein. Ça dépend ce que tu lui mets dans la tronche. Hein. Après, si tu parles du fait que ton PC chauffe à combien de température ? Ok, mais quelle est cette question ? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mis une excellente ventilation dessus.